Voici une table des types avec plus de 50 nouveaux types ajoutés. Le type gamer, le type émeraude, le type Among Us, le type contre Uno. Ouais bon, pour celui-là, ils ont pété un plomb. C'est la promesse de Pokémon Too Many Type, le nouveau bébé des développeurs d'Alpharad, un des plus gros youtubeurs Nintendo US. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'infliger cette ROM en Nuzlocke. Alors ouais, c'est pas un vrai Nuzlocke, c'est un Nuzlocke plutôt familial. Mais j'avais pas le choix, le jeu est trop dur. Si vous kiffez ce genre de concept, abonnez-vous par pitié, on est bientôt au 100K. Et oui, Josplay a fait le concept avant, mais on s'en bat les couilles. Sur ce, on commence. Pokémon Too Many Type. À la gueule de l'écran d'accueil, ça a l'air déjà exceptionnel. En gros, globalement, le youtubeur US a rajouté plus d'une cinquantaine de types. Il y a genre des types, le type magie, le type fury, le type sus, plein de types un peu chelous, un peu rigolos. Et aujourd'hui, on va découvrir cette ROM hack. Les starters ont été randomisés aussi. Enfin, randomisés, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas les mêmes starters que dans le jeu de base. On a direct les chaussures dans le jeu de base, les gars. C'était modifié, ça, non? Mais normalement faut régler l'horloge et tout avant, non? Ouais, j'étais grave accéléré. En vrai, c'est bien parce que c'est pas les trucs les plus fun dans le jeu de base, pour être honnête. Du coup, nous avons... Mais putain, non! Mais wesh, ma manette, elle a le sida ou quoi, là? Putain, oui, c'est la manette. Non, je dois reload. Il est quel type Fennec, juste pour voir? Magic Fire. Alors, de ce qu'on m'a dit, apparemment, si j'appuie sur cette touche, on peut voir le type du Pokémon adverse. Il est type Anguille. Genre, le type énervé. Je pense que je vais reset, Je prendrai celui qui a le type le plus marrant. Voilà, je vous le dis. Et là, on prend notre temps. C'est Germignon, c'est pas Bulbizarre, et ça pue bien la merde. Et y a pas les types. En vrai, bon, ça fait chier d'avoir reset pour ça, mais en vrai, Fennec me donne envie. Allez, go Fennec, go Fennec. Je vous préviens, c'est pas un Nuzlocke. Comment on l'appelle? Nous jouons un Fury. Nous devons faire une ref à ce bon vieux Sario. Non mais voilà, je le dis. Wesh. C'est quoi ça, un Infinite Candy? Ah, mais c'est juste un super bonbon, putain. Mais pourquoi? Comment ça, infini? Super bonbon infini? Pour de... Attends, t'as un vrai truc? Quoi? Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée? On va se l'interdire. Ou alors, attendez, j'ai une idée. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un Nuzlocke? Mais si un Pokémon meurt, on utilise l'Infinite Candy pour XP le nouveau Pokémon. Genre, on le met au niveau du Pokémon mort juste avant. En vrai, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo, j'aime bien. Au moins, ça nous fait tromper plein de Pokémon, ça nous fait tester plein de types. Moi, je kiffe. Hein. Ok, ok. Bon, écoutez, on va aller taper, Flora. Hein. On va lui mettre 2-3 coups de rein. Mais elle est vraiment mineure, du coup, non. Est-ce que par hasard, tu serais pas type Fury, enfoiré? Oh, il est type Fluffy. Comme Frigiel et Fluffy. Pour ceux qui ont la ref. Alors, ça se trouve, dans cette version, ils ont changé le Pokémon de Brice et ils lui ont filé le Pokémon O. Et si c'est le cas, et bah Psartek, Flora, bon courage. Nique ta race, j'en étais sûr. Dis-moi qu'il a pas d'attaque O. Ok, il a Pound. Il est silly. Silly égale idiot. Ok. Et bah c'est vraiment des fils de pute. Tout mon respect pour les développeurs de ce jeu. Oh, important. Attendez, feuille de notes. Il me faut une feuille de notes pour noter les faiblesses et les résistances. Sur cette feuille, on va faire des choses très utiles. Ah oui, oui, très sérieux. T'as cru que j'allais faire ça à l'aveugle, espèce de psychopathe. Hop, on est arrivé à la route. Premier Pokémon de zone, on attrape. Pas un Mediena, s'il te plaît. Un Tarsal. Un Poichijon, ta gueule. Jure, tu peux envoyer la Pokéball comme ça. Mais mec, c'est incroyable. Hein. Vraiment, je suis sur le cul. Attends, 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 de quel type est mon Poichijon? Est-ce que on fait une petite surprise? Donnez vos prédictions, les gars, prédictions. Lohan, pour des raisons évidentes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Je ne crois pas. C'est vraiment Lohan! Je n'ai jamais vu un Pokémon aussi bien porter son nom. Il est vraiment type ennuyeux. Jure! Il a trois types! Zermas et Pokémon Fusion. Le mec a le type Gun. Ember. Super efficace. Le feu est super efficace. On l'écrit. Fire, fort, compte, ou baby, ou gun. C'est noté. Oh, il est Friends. Je pense que les Friends résistent à la magie. Hein. Ouais, c'était sûr. Regardez, là, je me suis fait un petit code. Ceci veut dire que c'est super efficace. Ceci veut dire que ce n'est pas très efficace. Et du coup, le type Friends résiste au type magie. C'est bien, il y a une petite logique malgré tout et ça me plaît. C'est type Sharp? Comment ça c'est type requin? Mais Sharp, ça veut dire requin, non? Ah merde, c'est Sharp ou requin. Putain, ah ouais, mon anglais. Sharp. Pointu, ok. Bah, un couteau, c'est pointu. Tu plantes un de tes amis, il a mal. Je pense que Sharp, ça peut faire des dégâts. Ça fait des dégâts. En vrai, est-ce qu'on n'arrêterait pas de noter et on jouerait pas à la logique, en vrai? Les amis, je suis un giga chad. Là, actuellement, je vais vous demander de vous retourner pendant 10 secondes. Tu vas faire une manipulation qui est très dure et j'ai vraiment pas envie de vous la montrer. Du coup, je vais vous demander de vous retourner 10 secondes, s'il vous plaît, c'est super important. Alors, j'ai combattu beaucoup de dresseurs pendant ces 10 secondes. C'était super compliqué. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Allez, allons parler à Norman. Oh, Norman! Comment ça va depuis la prison? Imagine, il y a un type nerd. Nerdali! Je rêve de Nerdali! Alors, veuillez m'excuser, mais la connexion capte mal. Ok, premier Pokémon de zone, attention.
Maryl. Ça me va. Comment ça, il est type gender? C'est le drapeau trans derrière, non? C'est marrant. Mais pourquoi Maryl? C'est le drapeau non-binaire derrière? Non, c'est le drapeau trans. À l'époque, il pouvait changer de sexe en évoluant. Wouah! Oh, la référence de fou! C'est faible à quoi, le type gender? C'est faible aux hélicoptères? Je comprends pas. Je vais avoir des problèmes, les frères. Genre là, je commençais à... C'est faible à la religion. Non, vous êtes des merdes. Je ne peux pas sortir ma vidéo. Je ne peux pas garder ce Pokémon dans mon équipe. Si je commence à théorycraft ses faiblesses et ses forces, je finis sur Twitter. Je l'ai appelé Freezer, parce que Freezer, on sait pas si ça met quoi une meuf. Attendez, je suis désolé les gars, je dois... Attendez. Putain, merde, le jeu il bug là, casse les couilles. Tout le temps ça bug et... Oui. Ouais, attends, j'ai mal vu ou j'ai vu un truc là? 8 niveaux, Maryl. Ça va pas te faire doper les gens comme ça là? Les gars, ma mère la pute, Mélie n'a pas un Pokémon avant la fin de la run, voilà. Faut juste un Pokémon qui lui ressemble. Louis Roy, ça ressemble à Louis Roy. Lohan, ça ressemble à Lohan. Un gros pigeon. Est-ce qu'on fait la reine directement? En vrai, attends, j'ai récupéré mon Pokémon de zone juste avant. Est-ce qu'on peut avoir un Pokémon sympa? Si lui il a pas le type puant, je ne sais pas ce qu'il a les gars, je vous le dis. Attention, il a le type Stinky. Comme vous, c'est un énorme puant. Maylie voulait un Pokémon à son nom. Et puis tout à l'heure elle dit oui, j'ai pas de Pokémon à mon nom. Pas de soucis. À un moment, on a ce qu'on mérite. Ok. Et du coup, est-ce que c'est encore l'arène roche ou pas? Il est boring, ugly et rock. Waouh. Ça en fait des défauts, hein. Ils ont fait un viewer du chat. C'est une dinguerie, hein. Monkey. Il y a un type Monkey. Oh, ça me rend heureux ça. Ok, il est sus, grasse, ancien. Comment ça, ancien? Allez, Louis Roy, il est temps de démonter cette salope. Oh, la fiche de pute! Ok, il a baissé ma vitesse, ok. Allez. Ma vitesse a trop baissé. Ce que je vais faire là, que ça va être une super potion. Oh, le fils de chien. En vrai, non, ça m'arrange. Fight, Ember. Et là, il est mort. Je suis encore plus rapide, c'est vraiment très très lent, sa merde. Hein. Balbuto, ancien et psychique. À quoi il est faible, mon grand-père? Oh, les bâtards! Mon grand-père n'a aucune faiblesse, hein. À la technologie. Oh, oh mais arrête. Bon, il meurt de la brûlure, c'est bon. Quoi? Obtient axe. Oui, c'est pour... Ok, c'est pour couple, j'ai l'impression. Venez maintenant, les prochains Pokémon, on devine leur type avant d'appuyer. Et si quelqu'un a parfaitement juste, eh bah, bien joué à lui. Si vous pensez que je vais vous offrir des subs, bande de merde, vous pouvez vous mettre les doigts dans le cul, vraiment. Ok, il est type feu, magie, fluffy. Fire fluffy, il est pas magie. Mais j'ai deviné le fire fluffy. Y a pas un vieux qui est en train de crever dans la grotte, normalement? Non, y a un membre de la team Aqua, c'est bon, je m'en souviens. Oui, le voilà, il faut récupérer son Goenis de merde, c'est bon, je m'en souviens. Ça fait 1h12 qu'on joue, putain, wesh, mais le temps passe trop vite. Ça, si c'est pas type fluffy et angry, ma mère la pute. Alors là, et baby. Désolé maman, j'espère que tu vas bien en tout cas en ce moment. 0 sur 20. 0, hein. Ok, maintenant que mon Maryl est niveau 16, un tout petit coup de dopage à notre Fennec, niveau 16, et il évolue. Je sais même plus à quoi ressemble son évolution. De souvenir, j'aime bien sa moyenne évolution. Alors c'est vraiment, vraiment un furie, hein. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment un furie. Moche, elle est vraiment pas moche, hein. Enfin, genre, elle est stylée, je trouve, hein. Et Louis Roy est... Feu magique. Le fils de pute est type furie. On l'a! Il existe! Saréo! Combat contre Brice. Chaque fois que je joue à ce jeu, je perdais mon Nuzlocke ici. Très important. Jure, il a le Pokémon Sperme! Je crois que couille est faible au feu. Ok, il l'a pas fait évoluer comme il est malaisant, frère. Il me semble que magique, c'est super efficace contre idiot. Peut-être que j'ai de la merde. Il a Aqua Jet, l'enfoiré! Putain, mais Louis Roy, il venait de devenir un Fury, frère. Là, Lohan, faut se battre, hein. Nique lui, sa mère. C'est quoi ce Pokémon, frère? Oh, bordel, il va me finir. D'où c'est super efficace? Mais d'où il est faible au type O? Allez, Wave Dash. Ah ouais, c'est vraiment un Wave Dash efficace comme dans Smash Bros. Cet endroit est maudit à chaque fois, vraiment, qu'il ait un Masco, un Galifeu, un Flobio ou un putain d'Otaquin, ça restera toujours maudit. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Il va être temps de dire au revoir à nos deux confrères, Louis Roy et Lohan. Salut mon pote. Putain, frère, il nous reste Freezer et Maylie, gros. En vrai, Freezer est bien. Maylie, un peu moins, quoi, mais... J'aimerais aller dans la grotte, s'il vous plaît. Si on peut choper un petit Pokémon, bien, un petit Riolu. Petit Riolu. Bien. Non, non, Monkey. Oh, on a un Pokémon de type singe. Oui, Monkey. On va l'appeler Lopok, il aime bien les singes, Lopok. Monkey, il va prendre en niveau, hein. D'ailleurs, Monkey, il va prendre en niveau directement, ça je vous le dis. Il apprend quoi comme attaque? Ah, the Monkey Moment. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette attaque de con, frère? J'ai envie de tester, Ouga Booga, vraiment, on va faire Monkey Moment. Ok, ça sert à rien.
Freezer revient. Et là, tu lui mets un wave dash dans sa mère. Pourquoi les singes sont faibles au type gender? Ah, peut-être que c'est Angryl qui est faible au type gender. Ah, ça c'est possible. Ce qui serait déjà plus compréhensible. Ok, il envoie Monkey, j'envoie Monkey. Monkey, il fait Ouga Bouga. Son Monkey plus rapide! Alerte! Son Monkey plus rapide! One shot! Putain! Terrifiant. Coup de wave dash dans la gueule. S'il refait un crit? Mais l'attaque fait que des crits en fait, y'a pas le choix. Ouga Bouga ne fait que des crits, ça me paraît évident. Je sais pas ce qu'il envoie, il envoie. Attention grenade! Attention grenade! Attention grenade! Caraclet est très fort. Mais j'ai perdu. Mais jamais Maily s'en sort. Hein. Jamais Maily s'en sort. Hein. Putain. C'est une défaite les amis. Alors j'ai pas tout compté depuis le début parce que je suis pas un psychopathe. En gros on va capturer un Pokémon dans la grotte et on le montera à niveau 16. Hein. Caraclet, ils ont pété un plomb frère. Ok nickel. Si on peut choper un petit Pokémon au moins, ça respecte les règles du Nuzlocke, tu vois. Là on récupère un Pokémon dans l'eau, on le monte niveau 16, la vie est belle quoi. Alors si c'est un Magikarp, je vais pleurer du coup. Salut Kélian, je suis en train de sécher tes vidéos sur YouTube, sur Pokémon, gros force à toi pour ton contenu, merci mec. Ouf, ça fait plaisir les messages comme ça putain. En plus je suis un mec bienveillant et qui je m'énerve jamais quoi. Et tout le temps c'est de la bienveillance et c'est ça qui fait vraiment plaisir quoi. Rentre ! Puisque la bienveillance au fond, c'est vraiment un truc qui est important quoi. Quand je vois des gens qui sont bienveillants et qui font toujours mais ta mère. Enfin, si c'est un Magikarp, je casse mon écran. Oh, un petit Krabi comme ça, là. 3. Comment on appelle la relève de ma team qui déchute? Putain, j'ai perdu tout le monde, frère. Ce sera SK, ce sera SK, ce sera SK. Niveau 16, il apprend Crabrave. Crabrave, les amis, c'est ça. Putain, ce Pokémon et cette vidéo me mettent de très bonne humeur. Vraiment, je vous le dis quoi. Y'a pas une zone qu'on n'a pas faite, les gars, dans la première ville du jeu, attendez. Mais oui, c'est vrai, on peut aller à Poivre-Sel maintenant. J'avais oublié. Allez, on arrive à Poivre-Sel. Magikarp, bah écoutez, tout à l'heure on l'a tué, on peut le revoir cette fois-ci. Le Hunter a eu le plus gros glow-up de l'histoire. Hop, Hunter. Je sais pas c'est quoi le type de Léviathan. Je crois que le Magikarp il est ugly. Water est ugly. Ok, je peux tenter d'affronter des gens, mais... Oh bordel de merde. J'espère qu'ils sont pas... Oh merde! C'est un combat double! Ils étaient cachés! Non, les fils de chiens, ils étaient cachés! Je peux pas monter le niveau de mon Magikarp, mais il va mourir. Oh merde. Mais j'ai perdu? Mais putain de merde, gros! Bon allez, on va capturer un Pokémon dans une nouvelle zone. Alors, en temps normal, il y a des Posipi et des Négapi ici. Hein. Un Sablette. Moi, j'aime bien. On l'appelle Swink. Du coup, on est obligé de faire le musée avant d'aller à la prochaine zone. Bah, je peux capturer un Pokémon ici, du coup. C'est une nouvelle zone, là. Oh, encore un Magikarp. Dis donc, je pense avoir autre chose. Let's go. On fait la team à quoi, les gars? Mais j'ai trop peur de mourir. Hein. Allez, tu sais quoi? J'ai des couilles, au pire des cas. Oh, let's go. Il a un Mélodelf, le Golmon. Oui, tu es 6. Super efficace, c'était sûr. Hippotrampe, il est quoi? Water, il est gun. Oh, ça lui va bien. Par contre, il est water, l'enfoiré de merde. Je le finis avec retour. Let's go. Pas un Pokémon haut, je t'en supplie. Quoi, c'est quoi ce Pokémon de con, là? Vibe magique. C'est à ta glace, fils de pute. Non, mais c'est trop grave. Bah, il reste que Magikarp. S'il me gèle lui aussi, vraiment... Eh bah, c'est loose. Mais là, vraiment, c'est de la chatte. Franchement, le fait qu'il est freeze, l'autre con, là... Magnitude. Oh mais c'est pas gelé genre. Non mais c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. On dirait qu'il était gelé. Il parle beaucoup hein. Oh et là on a des choses à dire. Ok non c'est bon. Bon bah Magikarp est mort. On capturera un autre ailleurs hein, écoutez hein. Là l'avantage les gars c'est qu'on peut capturer les Pokémon qu'il y a au dessus. On va aller à droite pour le Pokémon de zone. Et là on capture un Magikarp. Ah merci. Ok Magikarp. Encore. Ça fait beaucoup là non? Oh là 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 là, devinez son type, devinez son type. C'est nul. Allez, on se fait l'arène en légende, puis on retourne ici et on fait l'arène électrique en légende. Allez, ils peuvent le faire. Si jamais ils perdent à cette arène, je pleure, j'imagine. Allez, retour. Ouga Bouga. C'est pas faible Ouga Bouga. Je fais retour. Je pense que le Monkey résiste au pouvoir de l'amitié, c'est ma théorie. Mais je crois que Monkey Moment rend toutes tes attaques critiques en fait après. C'est pour ça qu'il y a eu un Monkey qui nous a mis 4 crits d'affilée. Je pense que c'est ça. Encore une fois, c'est une théorie. On voit ton caraclet. Niveau 19, niveau 20, retour. Il est 19 et fight. Je crois que 19 est faible au sol, les gars. Magnitude 7. Pas du tout. Je crois que. J'espère que Frienne résiste au combat pour être honnête. Hein. Ouais, Frienne résiste au combat. Mais gros. Termine-le, Swank. J'en ai marre des coups critiques.
Est-ce que c'est judokra lui d'après? Oh mais il est niveau 16! Dehors! Malaisant comme ça là! On va arriver en sablero, en légende à l'arène électrique. Allez, on va monter d'un niveau et on va affronter ce bon vieux Brice. Il a perdu son type Frien pour le type Sharp. Ouais, pourquoi pas. Allez, viens m'affronter Brice. Je sais pas quel niveau sont ces Pokémon. Moi je dis que le type Crabe ça démonte la plante. Putain non! Attention grenade! Oh, il a pas d'attaque plante. Alors toi tu vas goûter, tu vas te prendre une bite. Ah toi tu vas te prendre une bite de la hunteuse. Et là tu vas prendre une bite. Le malaise. Et en plus il est flinch. Allez, c'est dehors. On vient de se taper un sweep de Léviator. C'est d'une singerie rarement égalée quoi. Mobile City, ok. Allez, nouvelle zone à gauche, on y va directement. Caninos, je n'ai pas de Pokémon, feu c'est bien, let's go! On va l'appeler chat. Il est temps de se battre contre la fraude Timmy et son tarsal malaisant. Timmy est niveau... Oh. Allez, magnitude 9, au revoir. Magnitude 8, ok. Tarsal, il est quoi? Il est Space Fairy. Ah ouais, peut-être Crush Claw. Allez, carré. Allez, hop. Magnitude 6. Et gamer, c'est faible aux amis. Voilà, je le dis. Putain. Le gamer, c'est faible. Putain, moi, je sais pas, gros. Frère, c'est pas un Pokémon électrique pour Porygon aussi. Tu casses les couilles, toi. Pikachu, il est quoi? Il est Frien, c'est ça? Jure. Pikachu, type Pikachu. Tout ça, carrément. Pikattaque, quoi? Oh, fils de pute. Il résiste au sol, le con. Mec, je crois que c'est le type ultime. Genre, il est super efficace contre tout. Putain. Allez, hunteuse. Putain, il est plus rapide! Je peux pas le battre, mais gros, il est invincible! Ok, heureusement, il était intimidé tout à l'heure. S'il me fait un coup critique, je hurle. Hein. Putain, mais c'est une dinguerie! Il va utiliser une potion, c'est sûr. Ok, cool. Putain, mais il est tellement rapide! Frère, Sablero, il est pas lent, les gars! Hein. Et Léviator, je vous en parle même pas. Frère, il a le Pikachu de raid ou comment ça se passe là? S'il me paralyse, je. Nique ta mère! Bon, moi, il est mort. Il a 4 Pokémon. Mais il est gratis plante. Il est Fluffy Prime. Mais il a tellement giga drain. Je crois que Prime résiste au sol en plus. C'est vraiment Prime pour Twitch. J'avais un doute, mais non, c'est bien ça. What the fuck? C'est quoi ces types de fous là par contre? Prime, Pikachu. Ils sont super efficaces contre tout, frère. Mais tu te dis, je vais rien faire. Hype Train. Oh bordel. C'est la reine électrique la moins électrique de la Terre. Hein. Magnitude 8. Ok, c'est bien. Citrus, ok. Pas de coup critique. Et ne te paralyse pas. Nique ta race, mais putain! Ok, il est mort. Plus qu'un Pokémon, dis-moi que c'est un Pokémon électrique et pas un Pokémon avec un type de con encore là. Oh, mais la lévitation. Il est que Prime. Putain, il est Prime en plus, je suis faible. Fils de pute! Il y avait un niveau au-dessus, je savais pas. Il avait toujours raté l'autre. Oh, le fils de chien. Hi-hi-hi-hi-hi! Tout le monde est mort! Allez, pêchons. Tu pourrais faire... Tu surnommes ton Pokémon et s'il meurt, tu fais l'action de son surnom. Oh, c'est marrant! Du coup, le Magikarp, on va l'appeler Sus. Comme ça, si jamais je perds, je Sus. Allez, Infinite Candy, on peut le monter niveau 25. Notre beau Magikarp. Le quatrième Magikarp MDR. Il est vraiment d'une grande lignée de Magikarp. Hein. Oh, putain. Salut, mon pote! Adieu, Hunteuse. Les gars, je crois qu'il me reste quelques zones que j'ai pas encore fait. J'ai eu peur que la gamine me bloque. Pokémon de zone. Pokémon de zone. Un chuchemur. Je prends à don feu. Il a une grande gueule. Vu qu'il a une grande gueule, on va l'appeler Chauve. Chauve burlesque. Allez, Chauve évolue. Il est Song et Ugly. Il est pas en gris. Ability patch. J'espère que ça sert à quelque chose. Parce que 25 000 Pokédollars, c'est très cher. Ah, ça change son talent. Oui, 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 oui. Mon Léviator a appris impudence. C'est bien, hein. Oh, c'est bien. Quand le Pokémon en face meurt, mon attaque augmente. Du coup, tu peux sweep une team. C'est-à-dire, tu one-shot le premier Pokémon, puis le deuxième, puis tu one-shot tout le monde. Parce que t'es à plus 3. Voilà, voilà, vous avez vu. Moxie, hop. Putain, les gars. Est-ce que le type Prime serait pas faible au type Song? Parce que les musiques sont copyright sur Twitch. Mais en vrai, que ça se tient. Je vais monter mon Léviator niveau 26, juste abattre 2-3 Pokémon et c'est bon. Et après, on lance l'arène. Skelenox, il est type Ghost Gamer. Les gamers ne sont pas infectés par les ténèbres. Putain, la chance. Les gamers sont faibles contre les vieux, c'est sûr. Let's go, c'est sûr. Mais il était... C'est le type Spectre qui est faible au type Océan, merde! Ah mais non, mais lui, il est pas gamer, il est Prime aussi. Est-ce que il résiste au type Prime? Dis-moi que tu résistes à Prime. Allez, Chauve, Supersonic, Revenge, on va faire Supersonic. Au moins, il est confus.
C'est moi qui est faible. Ça n'a aucun sens. Il est quoi? Il est gamer prime. Putain, mais les gamers, ils résistent à Ugly, c'est sûr. On va essayer ça pour voir. Ça n'a aucun sens. Et ce type est beaucoup trop fort. Je suis désolé. Je suis mort. Il est mort. Il est tellement mort. Frère. En fait, je sais pas si c'était gamer qui résistait aux ténèbres. Putain, oui, c'est gamer qui résistait aux ténèbres. C'était sûr, en fait, je suis con. Un petit crit comme ça gratuit parce que ça fait plaisir, sinon ce serait pas drôle. Ok, maintenant il y a Moxie. Pikachu est plus rapide, ça je le sais, je m'en souviens. Que Prime, ok. Il a charge de bim depuis quand il l'avait pas avant? Vu qu'il est plus type gamer, normalement lui, il prend tarif. Il meurt pas, je suis mort. Oh! Let's go. Farfadu va arrive. Il est plus rapide, bah oui. Farfadu est plus rapide que Léviator. Attends, on va regarder sur internet au cas où. Farfadu V, ça... Oh, ça a 116. C'est super rapide, Farfadu V. C'est vraiment super rapide, j'ai rien dit en fait. Ouais, c'est vraiment plus rapide. Je suis vraiment un menteur. Waouh. Ok, je ferme ma gueule. Mec, c'est trop fort. Qu'est-ce qui branle avec un Farfadu V dans l'arène électrique, ce fils de chien? Eh bah, il va être temps de capturer un autre Pokémon. Le problème, c'est que les gars, j'ai plus de zone. Alors, on va pas reset, vous imaginez bien, parce que je ne suis pas un psychopathe. Ce serait bien que je puisse capturer autre chose qu'un putain de Magikarp ou un Léviator, car j'en ai marre. Ah, la première, les gars. J'ai pas récupéré de Pokémon à la première ville, parce que j'avais pas encore les Pokéball, et pour rappel, un Nuzlocke commence quand on a les Pokéballs. Et ici, j'en ai pas récupéré de souvenirs. C'est la route 103, ok. J'ai vraiment récupéré personne ici pour le coup, par contre. Hein. Let's go, Mediana. Comme ça, on va pouvoir relâcher ce bon vieux sus. J'ai une idée, vu que c'est un chien. Je pense que tout le monde a pensé à peu près au même. Allez, il est temps de redire au revoir à nos amis. Salut à Gyarados, à Chauve Burlesque. Alors, je sais du coup, comme je vous ai dit, où il y a un endroit où j'ai pas encore récupéré de Pokémon. Mais c'est le dernier endroit, je crois. Ça, cette route-là, elle est pas encore faite. Allez, capturant un autre Magikarp. Pas d'accent. Pas pitié sans accent. On va lui remettre niveau 26. Relearn. Alors, qu'est-ce qu'il peut apprendre? C'est type angry dans ce... Oh là 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 là. Oh, ça va être un massacre, hein. Je sais ce qu'on va faire et j'ai un rêve. Ah, hop, là on lui fait descendre d'attaque, y a pas de souci. Tu as roulé sur le champion, merci. Voilà, augmente ton attaque spéciale, crois-y. Suce-moi fort. Dehors. On va Pikachu. Ok, non, voilà. Bien, bien envoyé en tout cas. Merci, passons à autre chose, je n'en pouvais plus. Là, je veux juste capturer des nouveaux Pokémon, rencontrer des nouveaux types. Allez, nouvelle zone. Putain, casse les couilles. Non, mais je le dis, casse les couilles. Genre, c'est pas une nouvelle zone, là? Ah, si, merci. Et on a Limagma. Putain, il est vraiment team... Enfin, il est littéralement type sperme. Allez, non, c'est bon. J'ai trop de Pokémon morts, on lui donne pas de nom à lui. Après, il me semble que la 4ème et la 5ème arène, elles s'enchaînent très très vite, les gars, de souvenirs. Hein. Problème, c'est qu'il a un type de merde, un Solourdeau, frère, il est boring, je fais quoi avec ça? Là, juste arrivé à la ville d'après, comme ça je me soigne et je prends des Pokéballs. Bon, l'avantage, les gars, c'est que on a skippé 1 milliard de dresseurs. Si jamais on doit se faire de la thune, on aura qu'à les affronter. Ici, on peut avoir des Altaria de souvenirs. On va acheter des Pokéballs en légende, car là, j'ai plus de balles et j'ai des Pokémon à capturer. On va se faire une team complète déjà pour commencer. Oh, ta gueule! On le capture ou pas, McBee, les gars, c'est mon Pokémon de zone. Fire Baby. Vas-y, capture. Capture. Allez, on a son blaze. Merci, Yimox, pour les travaux. On va l'appeler Dwagby. N'hésitez pas à vous doper très très jeune. Très très jeune. Tous les enfants de 15 ans qui veulent aller. Dopez-vous. Vous mettez des piqûres dans le coude et tout. Tout le temps, faut vous doper. Je rigole. Je suis un horrible personnage. Ne touchez jamais à ça. On arrive à la 4ème arène, les amis. 4ème arène. On arrive broliqué jusqu'aux dents. Grayena énervé. Je sais pas s'ils ont mis l'évolution de Girafarig. Parce que je sais qu'il y a Girafarig. Ouais, il y est. On va le capturer parce qu'il me semble qu'il a un type qui est rigolo lui. Psylip, Psychic et Guise. Cheval. Ce bon vieux cheval. Il me semble qu'il y a des bons Pokémon à attraper ici. Voilà, 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 on prend ça, on prend. Ça, on prend, on stream. Allez, viens ici. Le fils de pute. Le fils de chien, il a poursuite. Et rentre, la fille de ma mère rentre. Putain. Rien que je suis un gros aigri, il a buté un de mes Pokémon. Il pense être une épée, on va l'appeler couteau. Allez, adieu à mon beau donné, putain. Allez, salut mon pote. Il est Fluffy, Flying et Song. Est-ce que les gars, y'a pas la flemme d'avoir un Altaria? On le garde en Pokémon de secours, en vrai. Et c'est parti! Assiette! Une assiette, pas deux! Je sais pas si cette bonne vieille Noël, elle a battu les dresseurs qui sont ici. Elle les a battus, merde. Noël, t'as trop bien fait ton boulot, en fait, t'as pas compris. Rien qu'elle a battu la Team Aqua. Oh putain, je crois qu'elle a battu la Team Aqua. Oh bordel, elle l'a battu. Non, non, pas toi. Putain, elle a battu la Team Aqua. Putain. Oh, Pokémon de zone. Solarock, il est quel type? Oh, il est Space. Oh, rien que je le prends. C'est trop stylé comme type. On va lui mettre un petit coup de bite, là. Let's go. Et on va l'appeler Pantalon. Tu peux enlever ton pantalon? Je dois appeler ma mère. Jure. Merci. Putain, les gars, j'ai une meuf et pas vous. Juste pour vous rappeler, au cas où. Non, mais voilà. Si jamais vous commenciez à apprécier le live, là, au moins, vous pouvez vous barrer. C'est bon. Elle m'a cuisiné du thon et du riz, les gars. Vous vous rendez compte? Pas du thon en boîte, en mode tarvou, hein. Il y a du thon acheté chez le poissonnier. Ah, mais je comprends pourquoi c'est en mode disparition, en fait. Parce que c'est super bon. C'est une phrase de fou, ce que je viens de dire un peu, non?
Ça, c'est de la zikmu, hein. Oh, les cons. Regardez comme ils se jettent dessus, les cons, là. Tout ça pour avoir plus de terre et plus de mer. D'une futilité, putain. Alors que moi, voulant être le meilleur dresseur, c'est vraiment un vrai objectif, quoi. Et trash sur les deux. Allez, voilà, hop. Du les trashers. Ah, mais oui, les monkeys. La forêt amazonienne qui brûle. Les monkeys sont faibles au feu, j'avais oublié ça. Ah, ça fait réfléchir sur la société de consommation, ça aussi. L'huile de palme, tout ça. Arrêtez de manger du Nutella. Moi, les gars, je suis vegan. Moi, je fais attention à la nature. Soyez vegan comme moi, c'est important. Niton. En vrai, je suis vegan à mi-temps. Que les 32 du mois. Pas trop en demander non plus, quoi. Prime Fight Crab. Je sais plus à quoi est faible le type Prime. Je crois que c'est faible au type électrique. Je pense pas qu'il résiste au feu le type Prime. Du coup, je pense qu'un Flame Burst lui fait très mal. I am a genius. Et il en a des Pokémon, lui, hein. Merde. Je sais pas, il est quel type, ce con. Ah ouais, bah ouais. Niveau 30. Fils de pute. Mais j'ai pas eu le temps de voir son type. Casse les couilles. Allez, couteau, démonte-moi ce fils de pute. C'est bon, là. Fais les silly friends. C'est beau, là. Allez, tu vas te prendre un coup de charpe dans ta mère. Tu vas voir, toi, là. Il résiste! C'est le pouvoir de l'amitié qui résiste aux ténèbres, c'est ça là? Oh le fils de chien! Oh là 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 là, le massacre! Il m'a retiré tout ce que je possédais, tout ce que je possédais. J'avais des enfants, une famille, une maison, il m'a tout retiré, c'est même pas l'admin! Ok, il m'envoie son Grayena de con. Ok, il fait ça. Son Grayena, il est type rage. Il me semble que la rage est faible à la rage, hein, si j'ai pas de bêtises. Oh, j'ai pas dit de bêtises! Allez, dehors. Je l'ai appelé pitié, mais il a aucune peine. Hein. C'est Caris, hein. Volcaropod ! Il est liqué. Ah, putain, il est toujours type sperme. Oh, le pauvre. Oh, c'est un bon frère. Là, il est en train de se trash le bandicoot devant ma gueule et j'apprécie à moitié, je vais vous le dire, hein, vraiment. Skirt Flower, ça veut dire gicleur de fleurs. Oh, ouais. Ah ouais, ah non, ah l'animation fallait pas, hein. Y a pas à gicler sur les gens comme ça, là. Lui, ça s'appelle cheval. Mon cheval a giclé sur un escargot qui est type sperme. C'est une dinguerie, n'empêche, hein. Et du coup, là, on descend, nouvelle zone. On va capturer un Pokémon pour remplacer ce bon vieux couteau parti au combat, quoi. Allez, Grid Ball, tu rentres. T'as un bon. On va l'appeler Thon, vu que je mange du thon. Putain, Dwagby est mort, quoi. Putain, couteau est mort. Après, les types Space, son type est stylé. Je sais pas à quel niveau est l'arène, les gars. Je sais pas du tout si je vais m'en sortir vivant, pour être honnête. À votre avis, elle est type feu? Moi, je pense qu'elle est type angry. Oh non, elle est type fluffy, ça résiste. Bande de cons, va. Type de merde, hein, le type fluffy, hein, franchement. Bon, heureusement, Pity est le goat, mais quand c'est un truc où genre j'ai pas trop envie parce que c'est un peu la honte, mais. Oh. Alors là, Slugma, y a une vengeance. Waouh, mec, elle a démonté Pity sans aucune once de. Waouh, Roxro. Mystical Fire. Oh merde, je suis type sperme. Je suis faible ou ce Pokémon est juste trop fort? Allez, Solarok. Montre-leur que t'es le goat. Mon petit pantalon. Tu caches une énorme bite. Elle est énorme, elle est grasse. Let's go. Mais arrête! C'est quoi ce manque de buzz là, frère? Y'a pas à être une merde comme ça, hypnose-le. Moi, quand on me fait hypnose, je prends toujours ta. Ça ne l'infecte pas, il est type rêve. Ah, mais parce que c'est type dream. Et le type dream est immunisé au type dream. C'est quoi cette connerie encore? Il est faible ou pas? Putain, non, il est pas faible. En plus, j'ai mis un coup critique, ça lui a rien fait quoi. Ok. C'est next. S'il me met un crit, je suis mort, hein, pour rappel. Si je paralysé. J'ai pas, ok, je suis pas paralysé, let's go. Arcanin, je pense qu'il devrait bien s'en sortir, hein, Solourdo. Ok, tout à l'heure, c'était son main Pokémon. Il peut envoyer cheval, il peut essayer de lui jouir dessus à la limite. Bah oui, ça me paraissait évident. Mais les champions d'arène, ils rigolent pas dans ce jeu, frère. Ok, il est faible au type Sound, il me fait bite. S'il me fait un crit, je pleure. Ok, non, c'est bon. Je suis paralysé, je m'en bats les couilles. On va l'avoir à l'usure, j'ai 6 potions, je m'en branle. Mes frères, deux fois! On va l'avoir à l'usure, on va l'avoir à l'usure. Si elle se soigne, je vais. Fils de pute! Et c'était sûr! Allez, là, c'est de la chance, te paralyse pas. Let's go. C'est ça qu'il te fallait, hein. C'est ça qu'il me fallait. Oh! Mes frères, deux fois là! Let's go! Arcana mort. Et merde, il lui reste quoi? 26. Eh ben. Il est faible au feu! Et lui aussi, il est faible à takedown, ok. Dans tous les cas, en fait, la peu importe qui j'envoie, il meurt. Malheureusement, il va mourir, y a pas le choix. Oh, let's go. Non. Mais c'est grave d'être mauvais comme ça, un moment, frère. Fais des dégâts, fais un truc. Et bien évidemment, là, je suis paralysé. Sauf que là, je survis pas, moi, je survis pas à un nitrocharge, hein. Je pense qu'il me... Et j'ai plus qu'une potion. J'ai soigné cheval au cas où, hein. Je survis pas à un nitrocharge, hein, c'est sûr à 100% ça. Non mais c'est n'importe quoi, si je perds le match alors qu'il reste que ça comme vie, c'est... Covette, me tue pas. Me tue pas. Putain. Mais c'est quel type, Covette, encore? Casse les couilles. Bah, j'ai perdu. J'ai perdu, les gars. Casse les couilles de perdre sur un PV, gros. Sur un mauvais G, j'ai perdu. Tout le monde est mort. Je sais pas s'il y a une zone que j'ai pas fait, où je pourrais capturer un Pokémon, mais je vais pouvoir le monter niveau 29 déjà. Ah, les Thon évoluent en Colossinge. Ah, j'espère que Thon sera un peu énervé, j'espère. Putain, je crois que j'ai fait toutes les zones, hein, malheureusement. Ok, c'est pas elle qui donne un 9. Ah, jure. Alors les amis, je vais vous dire un truc. J'ai un peu la flemme, légèrement. Mais légèrement la flemme. Tada. Vraiment, juste le temps de l'œuf. Ah, merci.
Banger, banger de ouf. Friend Magic Gender, que des types de GOAT. Putain, j'ai envie... Oh là là... J'ai envie d'y aller, quoi, mais... Il a 4 Pokémon surénervés, dont un niveau 29, là. Allez, X-Speed. Il va me paralyser, c'est sûr. Allez, voilà. Bah oui. Bah oui, je suis faible au Fluffy, ça. Au Fluffy, ça me paraissait évident. Non, les gars, je pense que je suis obligé de tuer mon Colossinge. Hein. Eh ben non, c'était le type Little qui était faible au combat. Allez, il est mort, bonne journée. On va tenter Wave Dash, hein, y a pas le choix. Bah oui, il résiste, il manquait plus que ça. Ah bah ouais, c'est super efficace. Ah et en plus, je suis flinch, tant qu'à faire. Vas-y, termine-moi, j'en ai marre. Termine-moi. Ah, c'est dommage, il résistait au feu, tiens. Eh, trop relou, trop relou. Il y a une zone d'eau, on n'aurait pas récupéré. On est toujours avec Quadza dans le PC. Quoi? C'est un rose bouton. Comment ça, j'ai un rose bouton dans le PC? J'ai pas de rose... Quoi? Quoi? Mais il sort d'où? Mais de quoi? Je vais le faire évoluer? Je vais le faire évoluer. Quoi? C'est un debug mode, tu te calmes. Pour me faciliter la tâche, je m'étais pris un Rayquaza niveau 100 et le jeu m'a mis un rose bouton. Bah écoute, ce sera mon Pokémon de zone. Il est niveau 100, je m'en bats les couilles. Monsieur, vous n'avez pas honte. Je vous baise. Je vous baise. Si j'avais su, j'aurais récupéré ce rose bouton plus tôt. Mais les gars, le Nuzlocke n'est pas terminé en fait, hein. Qui a dit que le Nuzlocke était fini? Oh non, Colossinge est mort. Oh non, Guy est mort. Oh, Guy veut pas partir? Allez, voilà, reste là-bas. Arrêtez de vous inquiéter, je vous jure que ça va le faire. C'est mon Pokémon de zone. La zone, c'était le centre Pokémon. Pas bah, trop relou. Oh non. Flannery veut se battre. Oh non, elle envoie Furée. Oh non. Oh, c'est super efficace. Putain, waouh. Waouh. Allez, hyper bim. Hyper. Brr. 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 Oh, il a mal aux couilles. Oh là 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 là, ça fait du bien. Elle m'a buté toute ma team 2 fois, ça fait un bien fou. Et là, elle retrouve ses Pokémon en train d'agoniser. Hop, sur le sol. Espèce de tocarde que tu es avec ton équipe de stallers de merde. T'as envie de m'affronter? Te jure que c'est pas le bon moment, frérot. Ah là, mon gars, j'ai une bête dans mon sac à dos. Ah, c'est pour aller dans le désert, ok. On capture un nouveau Pokémon et on va le relâcher. Ne vous inquiétez pas. En plus, il y a 2 zones ici, parce qu'il y a le château et là. Waouh, il y en a du monde, hein. Il y a le Bird fossile, le Drake fossile, le Fish fossile. Putain, il y en a 4. Dino fossile. Tu peux en prendre uniquement 2. Je vais prendre le bird. Et où est Cracnoir en fait? Ah, il est dans le sable. Pour moi, c'est pas un Pokémon de zone les fossiles. Oh bah le buto. Bon, en vrai ça va. J'ai plus de Pokéball. Allez, va te faire enculer. Du coup, on doit raffronter Norman. Maintenant, il y a une blague sur les noirs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des Pokéballs. On va capturer un Pokémon dans le désert. Encore un Balbuto. Ça tombe bien, c'est vraiment le Pokémon que je ne voulais pas. Attends, du coup, on doit se taper contre Norman avec qu'un Balbuto. C'est ça en fait la vanne? Est-ce que c'est vraiment ça la vanne? Voilà, puis la star. The user swap his attack and defense. Oh! Oh la dinguerie! Oh, tu mets Cosmic Power et Power Trick! Oh la dinguerie! Oh la singerie! Allez, les amis, merci en tout cas à ce bon vieux Rayquaza pour l'aide qu'il a apportée. Je ne le relâche pas, parce qu'il servira peut-être une autre fois. Ne sait-on jamais. Allez, Accuracy Room, ok. Je sens qu'il va me faire des jets de sable tout le long, ça va être horrible. Oula, faut faire gaffe. Lui, il est type Fury. Je suis ancien, peut-être que les anciens n'aiment pas les Fury. Mystical Fire. Putain, je suis faible. Mais depuis quand je suis faible, frère? Après, moi, je lui fais rien. Allez, vas-y, c'est bon, passons à autre chose. Vas-y, c'est bon. Bah oui, le type ancien est faible au type feu. Ça paraît évident, les vieux, ça brûle. Bah oui. Allez, c'est bon, j'ai compris. On va récupérer un Bagaïd ou un masque caïman en haut. On prend le premier qui vient, c'est bon, ça me casse les couilles. Balbuto, c'est de la merde. Allez, rentre dans la grid ball. 3, et c'est ciao. Non! Enfin! Ah, il avait du mal, hein. Il avait pas envie, lui, hein. Allez, bête de meuf, on va l'appeler. Il se faisait désirer, hein. Déposit Pokémon, Balbuto. Allez, hop, bon débarras. Bon débarras. Et on va le doper un petit coup. Ça fait quand même plaisir d'avoir des sprites de Pokémon 5G sur Emerald, hein, pour être honnête. J'espère juste que le type bad, il est pas faible au type magique. Sinon, bah, j'ai perdu. C'est aussi simple que ça, quoi, pour être honnête, hein. Il a qu'un Pokémon. Déjà, c'est cool. Normalement, tu prends pas cher. Il résiste. Les dégâts de Zinzin qui me met, je résiste, fils de pute. Body Slam. Oh, il est faible! Jamais tu tanks ça, fils de chien, va! Avec ton Pokémon de con! Voilà, bête de meuf, là, montre-lui, là. C'est quoi ça? Défense Room, ça, je veux tenter ça. Ok, t'as quoi, toi? T'as un Simularbre. Je crois il est sus Rock Fury. Tu mets un crit, je casse mon ordi. Tu m'entends? Ça va. Ne te rate pas, merci. Il ne s'est pas raté. Let's go, il est mort. Oh là 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 là, mais c'est grave d'avoir autant de tension pour un second d'une arène, quoi. Allez, je passe niveau 30. Ok, et d'ailleurs, c'est la salle de Norman. Les gars, on va soigner une dernière fois et on va affronter Norman. Et Norman, c'est très simple. Ça va se jouer sur un seul truc, les gars. Mais un seul truc. Est-ce que son premier Pokémon est fort ou pas? Si son premier Pokémon est nul à chier, je me mets plein d'attaque plus, plein de vitesse plus, on le sweep. Bonne journée. S'il est super fort, j'ai perdu. Allez, putain. Fouf! Si jamais il a un prix Pokémon qui est moyen, j'ai gagné. Si jamais il a un prix Pokémon qui est trop fort, j'ai perdu. Aussi simple que ça, vraiment, il n'y a rien d'autre. Il a 4 Pokémon.
Mr. Flo, allez, j'ai perdu. Je pensais qu'il allait faire Aquajet, Brin, c'est Samo One Shot, c'est sûr. Allez, nique ta mère, c'est bon. Bah oui, Norman a Mr. Flo, les amis. Norman a Mr. Flo, ça me paraissait évident. J'avais oublié que Norman et ses Pokémon de type normal habituellement, il a Mr. Flo maintenant. Je suis désolé, non, mais les gars, genre la quatrième arène, j'étais bloqué. Ils m'ont filé qu'une seule zone après la quatrième arène, j'en ai rien à foutre. Allez, viens ici, mon Messi. Allez, hop. Saitama est de retour. Il s'appelle Rayquaza, il est énorme et sec. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, j'hésite, hein, j'hésite. Allez, Outrage. Oh, un lot puni, ah zut. Ah bah, Outrage. C'est relou. Lucario, je l'aurais bouillaf en plus. Je vous jure la vie de ma mère que j'aurais bouillaf toute sa team si juste il avait pas commencé par ce fils de chier de Mr. Flo. Est-ce que vous m'entendez, la team? Allez, blesse-toi, c'est en vire avec Quetza. Ah, il a pas envie de se blesser. Allez, vas-y, hop, nique ta race. Et c'est ciao. Je viens de voir ce que je viens de voir, là. Il a tanké 2 colères de mon Roselia niveau 100. 3 colères de mon Roselia niveau. Mais il a une triple résistance. Water, liquide, furie. Allez, extreme speed, et c'est ciao. Allez, Rayquaza, one punch. Ah, c'est lui qui me file surf. File-moi surf, mon cochon, j'ai des Pokémon à attraper là. Là, j'ai besoin de Pokémon là. Là, j'ai besoin de Pokémon là, je te le dis. Est-ce que je peux avoir une planche de surf aussi par hasard? Ah, oh, les gars, je l'ai prédit, je vous jure que je ne le savais pas. C'est un Latios? Wesh. Comment ça, il y a la chose qui est... Wesh, quoi? C'est dans le jeu de base, ça, les gars? Là, on speedrun, hein, je vous le dis directement. Je connais le chemin par cœur. C'est mon main game. On a fait Poké Race. Je suis le seul et l'unique. Kellyan, bonjour. Ce bon vieux rose bouton. Ah putain, ouais, il faudrait peut-être le mettre dans le PC, là, actuellement. Après, le problème, c'est que le bon seul Pokémon est mort, là. On va en capturer un dans les nouvelles zones disponibles. Après, on va relâcher ce bon vieux escroco qui a tout donné, malheureusement, mais qui s'est fait abattre, quoi. Ok, les gars, Pokémon 2 zones. Hop, let's go. Oh, jure! Je sais pas si c'est mieux qu'Aléviator, mais c'est fun en tout cas. Let's go. On va l'appeler, allez, BBC, puisqu'il grossit comme une énorme bite. Nouvelle zone, attention, Granivol, ça pue la merde, mais on va le prendre. On l'appelle Flop. Alors, il me semble que mon escroco était niveau 30, du coup, je peux les mettre niveau 30, mes Pokémon, encore une fois. Comment il fait grossir sa bite, là, le petit poisson, les gars? Comment il devient un gros truc dégueulasse? En combat, c'est random, je crois. Ah ouais? Il devient Pokémon du jeu. Froussardine, c'est pas nul, les gars. Froussardine, ça a 140 de puissance, les frères. Hein. Let's go, Cotovol. Il me semble qu'il apprend un acrobatique autovol, c'est pas dégueu ça. Alors lui il est Oyo Right Flying. Ouah, c'est une blague d'anglais frère que j'ai pas du tout. Hein. Oyo c'est une blague TikTok, frère normal tu connais pas. Ok, c'est ce qui me semblait. Ah, nouvelle route. Ah, un trompignon, gaulé c'est pas mal hein. Il est que sus. Let's go. Il a même pas besoin d'être rename. Son évolution s'appelle littéralement Among Us. Il évolue tard j'imagine vu que c'est un Pokémon de la 5G. 39, putain mais l'enfoiré, 39. Mais tu sais ce que c'est le niveau 39 toi? Oh jure il apprend vent. Mec c'est trop drôle. Hide in a vent the first turn and strike the next turn. Non c'est trop marrant. Fait du bien de se refaire une team. Putain j'en avais marre d'avoir qu'un seul Pokémon qui traîne sur mon équipe et tout là. BBC va apprendre beat up. Simon party Pokémon to join in the attack. Ah. Ah, d'accord, j'ai compris comment ça marche. Oui, ok, c'est de la merde, d'accord. Après, peut-être que ça dépend de la force des Pokémon dans ta team. J'en ai aucune idée pour... Jure, le type gamer est faible au typo. Il sous-entend qu'on prend pas de douche, les fils de pute. Ouh, loulouloulouloulou, il fait peur, là, le loup-garoc à gauche. On va soigner ce bon vieux Cotovol et on va faire Bullet Seed sur lui, parce que je pense qu'il est encore roche. Ça l'a pas soigné. Il tarasse. Fais 5 au moins, fais 5. Allez, nique ta mère, c'est bon. Non, c'est pas mérité. Bah oui, bah il est mort. Non, c'est pas mérité, il devait pas mourir. Putain, mais ça casse les couilles, ça. Ce jeu de con, là, fait voir des cons. Allez, voilà, tu meurs, sale con, va. Allez, un petit coup de vent, là. Viens, va sous terre, Among Us. Va sous terre. Alors, vu que mon trou de balle de pote est sous terre, je peux faire surf. Oula. J'ai perdu. Fais deux. Oh, putain, yes. Oh, j'ai eu trop peur. Surf. Normalement, il est pas touché, ton pignon. Il est mort, pas de soucis. Ok, let's go. Fou! Ce combat était terrifiant. On a quand même perdu Flop, hein. Allez, Gotima, quoi? Et Crapince, niveau 28. Oh, ouais, c'est vraiment... Ah oui, un peu légèrement Flop, la team Aqua, hein. Ok, crabe faible type guys. Pourquoi, je sais pas. J'ai la flemme de double combat parce que Oyakata est trop fort. Oyakata est trop fort et quand je fais surf, ça touche Trompignon et Trompignon peut prendre trop cher. Pourquoi le type gender est super efficace contre le type guys? Ou le type little? Si c'est le type little, c'est des gros homophobes, hein, je tiens à le dire. Oh bordel de merde! Merci! Oh, c'était quoi ce Pokémon de fou, frère? Il était trop énervé, hein! Do you give a nickname to this... Quoi? Comment ça, un Ditto? Par Morpheo qui donne d'habitude? Il donne un Morpheo normalement! Voilà, c'est bon, je suis fatigué, les gars. Voilà, plus caca, c'est bon, j'en ai marre. Encore 2 niveaux et ce bon vieux Among Us évolue, hein! Bon, allez, il est temps de fight le rival, les amis!
Il envoie l'embray. Dis-moi qu'il est pas plante, dis-moi qu'il est haut. Dis-moi qu'il est haut, qu'il est pas plante. De toute façon, il est niveau 29. Normalement, il a aucun buzz. Putain, il est plante. Il est vibe. Faible attack down. Ok. Oh, il fait mal, le fils de chien. Pas faible à takedown, mais ça lui a fait mal. Par contre, le recoil m'a fait super mal. Ok, BBC a rétréci. On va envoyer Among Us. Il envoie Slugma. Ok, je suis sus. Ça devrait aller normalement, j'espère. Dis-moi qu'il me one-shot pas, qu'il a rien pour me one-shot. Je t'en supplie. Non, ça fait juste quelques dégâts. Allez, vent. Et à la fin, il va rester... Putain, peut-être qu'il a un oratoria, hein. Et il est niveau 31. Ça va. Franchement, ça va. Du coup, surf, ça va rien faire. Il est scellé. On va faire pillow fight. Facing. Attends, merde. Ça m'endort, fils de pute. Awakening. Par combien c'est sa précision? 55 de précision et il touche l'enfoiré. Frère, moi j'ai 85, je touche pas. Mais c'est dinguerie de toucher deux fois Song. Ok, est-ce que je peux taper pour une fois? Ou non, j'ai pas le droit. Merci, merci, une fois. Putain, il résiste. Je peux taper 5 fois? Non, ok. Il résiste. On va faire des surfs, hein, que voulez-vous que je vous dise? Allez, voilà. Pourquoi se prendre la tête? Je vous pose la question, en fait, hein. Oh, jure, il m'a filé vol! Oh, c'est un bon, enfin. Et j'imagine que si je bats la reine d'après, j'aurai le truc pour voler même sans Pokémon vol. Ok, ça tue. Ah, let's go, il y a la ville. On va soigner le Pokémon en légende, déjà. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la reine, en vrai. Hein. Y a pas un Kecléon dans le coin? J'ai un souvenir comme quoi il y avait un Kecléon récupéré. Ah, le voilà. Oui, il faut qu'on aille plus loin pour récupérer le truc pour le voir. C'est bon, je m'en souviens. Jure, nouvelle route, j'avais oublié. Il y a des Absol sur cette route, ce qui est très bien. Soloshi! J'ai pas envie. Ah putain, Trioxydre il évolue super tard. Après, on chope un Rayquaza niveau 70. Ce sera le Pokémon le plus élevé de ma team. Du coup, toute ma team sera niveau 70 pour rappel. Il résiste. Survie, survie, survie. Pas grave, on en capture un autre, j'en ai rien à foutre, c'est bon. T'avais ça, un Nuzlocke familial ici, on se prend pas la tête, hein. Oh! On parlait du loup, ce bon vieux Absol. Du coup, il est quoi? Il est. Ouais, il doit être bas de ténèbres. Putain, vous êtes chaud, bas de Prime. Oh, Pokémon Prime, c'est cool. Hype Train, ok. Quoi? Je vais emmener Absol au cas où parce que j'ai peur là. Ok, caca, transforme-toi. Je sais pas si les types d'Absol peuvent résister à Hype Train, mais ça me ferait plaisir. Eh ben non, il était faible. Casse les couilles, putain. Bon, on perd métamorphe. Sur une capture d'Absol, hein. Vous vous rendez compte? Allez, Solashi, je m'en bats les couilles. Donnez-moi un Pokémon, j'en ai marre, les frères. Ah bah, il est faible. Bon, niveau 39, au moins j'ai un golet, c'est cool ça. Je vais reprendre Poudre Dodo à golet. Comme ça, ça sera plus simple pour capturer un Pokémon, quoi. Oh, comment ça, imposteur, jure? Peut-être un imposteur using. Ah, c'est clonage! On lui retire Gigadrain. Peut être un stoller de fou en vrai, hein. Je vais le mettre en premier, il a une bonne défense maintenant, du coup ça devrait le faire, mais. Attends, je regarde un petit peu. Même pas, hein, il a une défense moyenne. Après, il a plus de PV que l'autre, mais il a une défense moyenne, hein. Ok, Absol. Oh, let's go, je résiste, je savais pas. Et je vais le one-shot, c'est super efficace, le type sus. Oh, let's go, je one-shot pas. 1, 2, Nikta! Allez, rentre, je t'en supplie. Nikta! C'est trop une dinguerie, frère. 3 Pokéballs, 10% de ses HP, paralysé. C'est un Absol, les gars. C'est pas un OO hein, que vous posez la question. Hein. Oh, ça casse les couilles de devoir acheter des Pokéballs pour un Absol de merde, là, comme ça, là. Allez, welcome back. Mais Nikta race! Un crit? Ah, paralysé. Oh, il dort, let's go. Merci! Merci! Je sais comment on va l'appeler, ça y a aucun doute dessus. Allez hop, ouais, route 120, c'est ici, ok. On va le capturer, on dit que c'est le Kecléon de la ville. Il est quel type? Il est type type. Let's go, Kecléon dans l'équipe. Voilà, comme son type, on va l'appeler type, c'est rigolo. Allez, arène vol. Attention, avec les mini dresseurs, je pense que je vais arriver à la championne niveau 41. Je pense, hein. Enfoiré de merde. Oh putain de merde. En plus, il résiste, le fils de chien. Fight Dance, ok. Je sais que je suis faible au type Dance maintenant, je savais pas du tout. En vrai, Golem, même s'il est faible, il a une bonne défense, il devrait tenir, j'imagine. Let's go, je touche. Eh! Diamant reste des combats, hein. Putain, c'est un combat double en plus. Oh là là. Allez, championne d'arène. Du coup, je crois que son type à elle, c'est le type Song. Ça me paraît évident. Hop. Si je peux setup mon Absol, les gars, c'est win, hein. 5 Pokémon, putain. Ok, Ludicolo, niveau 29. C'est moi où il a mis le terrain dansant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Normalement, je one-shot tout le monde. Oh, let's go, je one-shot, coup critique. Enfin, on fait une arène sans avoir à douiller. Oh, quel bonheur. Depuis la deuxième arène, c'était pas arrivé. Je sais pas du tout où c'est la suite du jeu, par contre. J'imagine que c'est par là, c'est la suite de la route. Frère, tous les dresseurs qu'il y a, la vie de ma mère. On va les faire un par un, parce que les combats doubles sur ce jeu, c'est débile.
Il est pas faible, mais il meurt quand même, parce que FDP est exceptionnel. Je fais tous les dresseurs, les gars, hein. Je pourrais les skipper, mais faut qu'on prenne en niveau. Parce que c'est limite, les arènes, elles sont super dures, on prend en niveau quand même. Jure, il y a le safari. Let's go, allons capturer un Pokémon. Bon, pour les Pokémon de zone, forcément, les gars, c'est Park Safari. Ah, mais il faut des Pokéblocks. The Lilikov Contest Hall. Pourquoi tout complexifier comme ça? Voilà pourquoi dans ma tier list Pokémon, je dis qu'Emerald, c'est de la merde. On va prendre BBC, hein. Même pas, tu m'as... Aïe. On se calme. Allez, voilà. On est où? Un jour, il y a les concours. Comment, j'ai grave la flemme? Aïe. Ah, lui, il veut se battre. Lui, il a grave envie de se battre. Ok, et c'est ici, genre, on peut voir les nouvelles routes sur le panneau. Oui, voilà, ok. Ok, bah du coup, c'est une nouvelle route ici, nouvelle zone. Oh, un petit koala, mais il a pas d'évolution, lui, Kumala, non? On va le prendre. Je vous jure que j'aime bien. Fluffy Dream. Oh, il a des types stylés en plus. Allez, tu rentres. Tu rentres. 3. Oh, dommage. 3. Oh, le Goat! On l'appelle Goat. Le Pout. Le Pokémon of the Year. Je regarde un petit peu tout ce qu'on a. C'est quoi ça? C'est le musée, non? Oh, j'ai mon fossile! C'est mon fossile ici, non? Attendez, attendez, c'est où pour le fossile? Il veut quoi, lui? Je veux mon fossile, moi. Je veux mon fossile. C'est où pour les fossiles? Kélian, t'es beau. Ça ne me sert à rien d'être beau. Je veux savoir où est-ce qu'on trouve le fossile. Première ville du jeu avec une arène. Pourquoi on me l'avait pas dit avant? Vous me l'aviez jamais dit, bande de chiens? Attends, mais je vais pas revenir en arrière et tout. Là, ça va être long. Ah, mais c'est le centre commercial derrière. Je suis débile. Bah, allez, vas-y, affronte-moi. Viens m'affronter. Brice, à 4 Pokémon, j'en ai 5. Niveau 31. Je vais te bouillaf, tu m'entends? Il est guys, je te slash. Oh là là, je suis trop fort! Ludicolo. Ok, Ludicolo est envoyé. Il est type plante, eau et dance. Let's go. En fait, ça paraît évident, le type plante est faible à slash, puisque tu coupes la plante. C'est vrai qu'il a... Il a fait évoluer. Oh, mon starter, il est mort, sa grand-mère. Water, Silly Song, il a vraiment des types de merde. Prime Sub? Oh, let's go! T'as un bouton fly sur ton menu. Comment c'est possible de passer à côté de ça? Non, c'est trop un truc de fou. Allez, Mérouville, on y va. Oh, la dinguerie. C'est où, les gars, pour le fossile, maintenant? Alors, attendez. On va tous les essayer, du coup. Drake Bird? Jure! Ok, c'était celui-là. Du coup, j'ai eu un Drake Bird. Comment on va l'appeler? Oh, c'est un des ceux que je préfère. Je l'aime beaucoup, celui-là. Error. Parce qu'il n'aurait jamais dû revenir au monde. Il est quel type? Silly, ancien, électrique. Oh, il a un type sympa, en plus. Hop. Centre commercial en légende. Je sais pas si j'ai des choses intéressantes à acheter, ici. Jure! Ils vendent des objets strat! Focus Sash, Rocky Helmet, Life Orb. Wesh, la dinguerie. Ça peut me servir, le Rocky Helmet. On va le mettre à gauler. Mais c'est un truc de fou, hein. Eh ben, écoutez, on va capturer un petit Pokémon dans l'eau, parce que c'est une nouvelle zone. Et on va faire l'histoire. J'imagine qu'il faut aller à droite, c'est ça? Faire quoi, en fait, les gars, là? On va prendre un Pokémon par là, déjà. Jure, hypocéant carrément. Ok, pour empoisonner, on est bien. Faut juste faire gaffe parce qu'il va mourir très très vite maintenant. Comment on l'appelle? On va l'appeler Macri. Quand le Mac débarque, c'est la panique au phare, ouais. Ah, là voilà, la star, let's go. Macri évolue. Give, on va le give à BBC. On va give le leftover à Golé. Et on va give le life orb à... Oh, avec le life orb, il va taper tellement fort. Ça va être une dinguerie, hein. AFDP. On va doper ce bon vieux Hipporoi. Shoot 160 160, c'est quoi cette dinguerie? Attends, dans l'ordre, on a quoi? On a les deux repères à faire. La 7ème arène, régler les bails avec Groudon et Kyogre. 8ème arène, la ligue. C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est ici le Mont Mémorial, les gars, non? Ouais, je pense que c'est là. Oui, Mont Pyre. Ah, mais c'est une nouvelle zone, ici. Jure. Skelenox. Ok, on prend. Let's go. Comment on l'appelle? Joueur de LOL, on va l'appeler. Est-ce que je peux les affronter un par un? Oh, comment j'ai la flemme de combat double. Allez, Dragon Pulse dans ta... Attends, il est pas fait, lui. Oh, il a deux insoles lourdes de deux types différents, le con. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, il a un Zoroark. C'est sûr à 100%. Il a un Zoroark. Genre, mais je suis trop fort. Je suis trop fort. Non, mais j'ai un cerveau. Pour l'instant, lequel est ton type préféré? J'aime bien le type Fluffy, il est marrant. Ah, c'est qui en face? On dirait Giovanni, frère. Ah, ok, non. C'est contre le chef à quoi? On va bien se soigner en légende. Aïe, mais y a pas de combat! Petite bite, hein, pour être honnête. Allez, repère magma. Après, c'est repère à quoi? Et après, je crois que c'est 7ème arène. Ou je crois que t'as Rayquaza avant, je sais plus. Ah, ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais on affronte jamais le chef de la team magma. Y a quoi dans ce jeu? Ah, si, merci, c'est ce que je me disais. Une Sword Dance, une pas deux. Il m'envoie qui? Grayana, rien à foutre. Une pas deux, je te dis. Et normalement, je one shot tout le monde. Ok, c'est bon, c'est ciao. Ok, il me one shot pas, c'est sûr. Sucker Punch. Ok, il est neutre, dehors. N'ose t'en faire. En fait, j'ai très peur qu'il soit plus rapide que moi. Ok, je tank, c'est bon. Crobat, c'est dehors! Allez, hop, fly, on retourne. On retourne ici, de souvenir. Voilà, exact. Et il me semble que le repère à quoi... Ah, c'est ici, ok. On n'a qu'un plongé. Allez, au repère à quoi, ok. Ah, c'est le Master Ball ici, je m'en souviens. On s'en souvient, let's go! On va pouvoir récupérer Rayquaza. Oh, électrode, je veux, hein. Angry Boomer. Oh, les fils de pute.
On va l'appeler Boom. Ah, let's go, enfin. Est-ce qu'on a enfin le droit à un peu de bonheur ou pas là? Mais on n'a pas plongé, comment on y va? Bah là, on va faire 7ème arène. On va se battre avec Pierre contre la team Magma. Après, on va faire les bails avec Kyogre. Après ça, on va réveiller Rayquaza. Rayquaza, il va calmer les deux bouffons. Vous allez la fermer, ouais? On aimerait bien dormir! Et une fois qu'il les aura calmés, on pourra le capturer. Et une fois qu'on l'aura capturé, on pourra faire 8ème arène et la ligue. Et c'est quoi cette arène du Shaitan? Vraiment, j'ai rarement vu une arène aussi chiante d'accès, hein, franchement. Hein? Et le champion, c'est pas un cow-boy? Pourquoi il y a un cow-boy ici, les gars? On va envoyer à Among Us, je pense, c'est le plus safe, on va envoyer en premier. Clay! Attends, Clay, c'est Bardan? Du coup, c'est bien l'arène de type Space, mais c'est plus un combat double, c'est un combat simple contre Bardan. Il y aura les gonds, ok. Il est type Gun. Il est type Oshio. Fighter Right. C'est quoi ce type de con là, mais c'était pas type Space de base? Et si, c'est quand même un combat double! Oh, le fils de chien! Attends, là, je dois focus là, mon cerveau il est en train de cramer. Ok, il fait vent. Il a fait Twitch, ça me va sur Error, pourquoi pas. On va faire Ancient Power sur lui, j'imagine. Et bah il résiste, c'est de la merde. Aïe! Wesh! Mais quoi? Il vient de tirer un coup de fusil à pompe sur mon Pokémon, j'ai pas rêvé. Ok, Brin, il est touché. Il meurt pas, le fils de chien. Somnium. Endors-le. Putain, mec, ils sont en train de décimer ma team, frère. Le pauvre t'es mort. Là, on va se battre, là. Ok, hyper potion, on s'en branle. On s'en fout. Ils seront morts au tour d'après, on s'en bat les couilles. Brin, ok, il va prendre tarif. Bien. Mais lui, faut qu'il meure, parce que lui, il a une attaque trop forte. Il a une attaque qui est à 150 de puissance, je crois. Duraligon est mort, ok, cool. Normalement, Frison ne me one-shot pas. Prime sub. Il meurt pas. Il fait... Wesh, c'est quoi ces attaques tarlés fous là? Ok, Garyag l'a envoyé. Non mec, c'est trop flippant, mais c'est quoi cette team de zinzin? Toi, tu vas te prendre un shoot de ta grand-mère la pute, est-ce que tu m'entends? Ok, Bibi, si t'arrives. Vu qu'il est type États-Unis, ce fils de chien n'est pas infecté par le type Gun! Mais vous vous rendez compte? Fils de chien, mais non, mais un coup critique maintenant! Vent, ok. Dis-moi que Vent, ça peut toucher. Brin, vas-y, ok. On lui met des dégâts. Coup critique, il y a une justice dans ce putain de monde. Oh Dieu merci, tu mets un coup critique, tu prends ta confusion fils de chien. Mais il a décimé Bibi. Putain, j'ai tellement de Pokémon morts frère. Heureusement il y a Rayquaza juste après quoi, franchement. Vent, ok. On s'en sort bien, la vérité on s'en sort bien, on aurait pu tout perdre. Sachant que c'était un combat double, ça aurait fait très très mal si on perdait tout. Hein. Et on a la suite pour avoir plongé du coup. Allez, Skelenox dans la team, Electrode dans la team. Let's go, il y a le tissu. Oh là là, promis nous que tu noires de ma vie, ça fait un peu plaisir en vrai. Let's go. Ah ouais. Ils disent quoi là? Ils veulent faire un gangbang? Je vais me mesurer à vous, mais calmez-vous d'abord. Là, j'ai envoyé ma ligne offensive. Allez, venez vous battre bande de putes. Ah bah oui, mais en plus, ils se la pètent pour... Mais wesh, c'est bon, ok. Allez, slash, au revoir. Ils me font juste perdre mon temps là avec leurs 3 Pokémon de merde. Hein. Ça va pas? On va envoyer Macra en première ligne, ensuite FDP, ensuite boum. Allez, viens. Viens m'affronter, viens te battre. Il va se prendre un coup de gun dans sa daronne. Mettant Skarmory et Grun. Ok. Alors, Fenard, il a même pas besoin de gun en vrai. Hein. Alors, toi, tu prends un shoot! Fusil à pompe! Non, le sound effect est trop drôle. Aïe! Est-ce que Mettant, il peut taper un jour ou pas là? Bien! Dragon Pulse, il résiste. Ah ouais. En vrai, un peu flopesque que la team Magma en sar. Non, je jure que l'animation, elle est trop drôle. Et du coup, je vais au Chenal 127 pour démonter le membre de la team Aqua. Et après, ils vont arrêter de faire les Mongolitos, il y aura Aquata qui va venir. Ok, Chenal 27, ok. C'est ici que je dois aller? Je crois que c'est là que je dois aller. Hein. Le jeu est quand même beau hein, sous la mer. Hein. Ah mais putain, mais je me demandais ce que je devais faire, mais faut que je monte à la surface en fait, je suis débile. Allez. Je suis le goat des énigmes, vous m'entendez ou pas? C'est compliqué mine de rien. C'est pas un jeu facile Pokémon, hein. Faut faire des énigmes et tout. En plus, je crois que j'ai niqué l'énigme. Allez vous faire foutre, on recommence. Non mais allez vous faire foutre, mec. Oui, je galère sur une énigme pour des gosses, oui, je vous emmerde. On fait hop. Hein? C'est bon, j'ai... Je suis le goat des énigmes, voilà, je le dis. Oh! Earthquake, c'est bien, c'est une bonne CT ça, merci. Hop, on va préparer notre équipe en 2 spi. Allez, c'est ciao. Aïe. Ça va pas? Lui, les gars, je sais ce que je vais faire de lui. Hop, on envoie Macri. Macri, il va sortir son fusil à pompe, là. Hop, il arrive, il est sur le terrain. Ok. Shoot.
Non, le sound effect est trop drôle, la vie de ma mère, allez, hop, c'est dehors. Coup critique en plus, hein. Genre, il a tiré dans la tête, hein. Allez, Kyok, grosse taille, il va aller se frapper contre l'autre con, là. Rayquaza, il va calmer ses deux golemons d'un coup. Non, je suis désolé, c'est des cons. Tout le temps, faut qu'il y ait Rayquaza qui vienne. C'est une dinguerie, frère. Allez, allons réveiller ce bon vieux Rayquaza. Et voilà, qui voit l'âge. Encore les deux fils de chien qui se tapent sur la gueule. Et là, il y a moi, la poucave. Fais, ouais, tonton, oh, réveille-toi, là. Et la pierre, il voit un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'il se dit, cet enfoiré? Va réveiller le Pokémon légendaire qui peut te bouffer. Vas-y, va le réveiller à 11 ans. Enculé, va. Ok, let's go. Oh, les GOAT, ils ont tout retiré. Les développeurs ont tout retiré, mais what the fuck? Quoi? Attends, mais je rêve. Mec, mais what the fuck? Mais what the fuck? Ils ont tout retiré, d'accord. Gratuit comme ça, merci. Ah mais non, c'est la deuxième fois qu'on le revoit. Ok, je m'en souviens, c'est bon. J'ai rien dit, c'est la deuxième fois qu'on le revoit qu'il y a ça, c'est bon. Ok, il se réveille. Il arrive comme un patron. Qui c'est qui fout le bordel dans ma ville? El Padre, frère. Il y a un respect qui émane de ce plan qui est terrifiant. Maintenant, on va retourner au Sky Pillar en légende. Oh, il y a des Pokémon dans le Sky Pillar. Il est quel type d'ailleurs, lui? Est-ce qu'ils lui ont mis un type 2? Non! No way! Comment ça, mon ref? Putain, Munja de type Sans. C'est trop dur, vous rendez pas compte. Hein. Allez, viens m'affronter! Oh, son entrée est stylée, hein. Non, son entrée est stylée. Niveau 58! Petite bite! Ils ont nerf Rayquaza. On va l'appeler Daddy, puisque quand il arrive sur le terrain là, avec son énorme beat, il calme Groudon et Kyogre direct. Allez hop, 8ème arène, on va y aller en légende avec Rayquaza là. Il est type Emeraude. Tu l'avais prédit, Johan. Sortez avec les Roya. Allez, LOL player, on y va. Je suis le GOAT. Je suis le GOAT des énigmes. Voilà, je le dis. Du coup, c'est l'arène quoi? On sait pas. Arène glace, bah de base, c'est l'arène O. Colomar type Crab Angry. Dragon Pulse. One shot, ok. Let's go. Mec Daddy, il a un buzz. Let's go. Ok, il avait une team full crab. Bah, c'est vraiment le pire type du jeu. Au revoir, c'est ciao. Crab rave. Il nous a filé crab rave. Et là, on fait la ligue. Exactement. Et pour être honnête, si je perds à cette ligue, soit on arrête le Nuzlocke, soit on arrête. Mais il y aura un des deux. Ah, let's go, on est arrivé. On peut climb la waterfall sans apprendre waterfall, et ça, c'est beau. Oh, cette musique, je l'avais oublié. Oh, la musique de Zinzin. Oh, le fils de chien, il veut m'affronter, j'avais oublié lui. Témé arrive. Aïe! Il résiste, sa grand-mère, il résiste. Du coup, il est peut-être... Transrite. Rapid dash, is absorbing power. Oh, l'attaque de fou. Ok, c'est neutre. Oh, ok, lui, il a une team LGBT, c'est ça? Je crois que c'est ça, le thème de la team de Timmy. Un petit Roserade, bien évidemment. Il a une belle team, hein, mine de rien. Faut que j'apprenne séisme à mon Rayquaza. Galam, Sharp, il est bad. Est-ce que les trans résistent aux dragons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, lui, il est mort. Milobelus. Ok, il est quoi, lui aussi? Il est Water? Ouais, Water Gender, ok. J'ai l'impression que le type Emeraude est vraiment très fort, par contre. Hein. Je pense qu'il a un trilliard de résistance. Hein. Genre, c'est quoi la faiblesse de l'Emeraude? J'ai mes Gym Badge, ok. Attends, c'est lui le premier maître de la ligue dans Emeraude? Il veut quoi, lui? Il envoie Spinda. Normalement, j'ai pas à me soucier sur la vitesse. Rayquaza est super rapide. Et je pense qu'avec un attaque spéciale plus, je vais one-shot tout le monde. Oh, le fils de chien. J'en étais sûr, c'est comme Swagger, le fils de pute. Te blesse pas. Je t'en supplie, Daddy. Putain! Oh, Dieu merci, Spinda est un Pokémon de merde. Hein. Là, normalement, c'est un sweep. Personne me tank. C'est le mec de type Silly, d'accord. Il résiste, mais c'est une dinguerie. Dieu merci, mon Rayquaza est un banger, quoi, mais il résiste, hein. Earthquake. Let's go. En fait, moi, ce qui me fait flipper, c'est que je ne connais pas les faiblesses de l'Emeraude. Et qu'on aura beau dire, oui, mais t'inquiète pas, l'Emeraude, c'est aucune faiblesse, j'en ai aucune foutre idée. Pour l'instant, les gens ont raison. Premier membre du conseil des quatre. Dehors. Oh là là. Je suis un peu en stress, en toute honnêteté, les gars. Ok. Peut-être que c'est Gamer. Oh putain, je crois que c'est le conseil 4 des gros geeks. C'est le conseil 4 des gros geeks. Toi, tu vas prendre une douche. Oh, il va prendre une douche, l'enfoiré. Oh, le fils de pute. Il va envoyer Freddy. Ok, toi, tu prends des douches direct. Il est plus rapide. Il a farceur. Fils de chien, il a farceur. Il y a un Pokémon qui va mourir. Un Pokémon va mourir, je sais pas qui, mais un Pokémon va mourir. Je vais me prendre un Five Knight. En fait, soit je one-shot tout le monde, soit mon Macri est mort. Il est 16 Gamer, ok. Super efficace. Let's go. Gamer Fluffy, ah merde, je crois que Fluffy ça résiste à l'eau. J'ai dit de la merde. Je suis un gros menteur. Il est totalement reverse. Je crois que reverse, c'est les choses où je suis censé faire mal font pas mal en fait. Dans le doute, tu te prends une balle. Il la protège, le fils de chien. Adieu.
Adieu Macri. Putain, il s'est tellement bien battu. Allez, on va envoyer Daddy là. Quoi? Pourquoi c'est pris le Favenette lui aussi? Ça attaque les deux membres. C'est une dinguerie. Eh, hey, Daddy, il a vraiment du buzz, hein. Ils ont tous leur talent caché, par contre, c'est une dinguerie, hein. Ce bon vieux Hippo-Roi, bordel. La Macri, c'était bien défendu. Malheureusement, il s'était pris Freddy, quoi, hein. Mais non! Mais c'est le champion d'arène de la 9G! Du coup, les types normal, il est quoi? Golem, ok. Boring, Ugly, Rock, ok. Il est boring de A à Z. Une Dragon Dance, une. J'en fais une deuxième, il me reste que deux bébés. Merde, c'est la sauce. On va faire un Earthquake déjà, parce qu'il était faible, c'était sûr. Oh, il a pas Sturdy! Ok, let's go. Oh, le dragon est super efficace contre le type Boring. Bah, c'est win, hein. Mec, le type Emerald, c'est trop fort! J'ai tellement de Pokémon qui sont morts en 20 heures de live! Je suis trop heureux! Avec de la bête pendant que ses parents sont pas là. Dehors! On m'appelle Daddy Rayquaza, ouais! Putain! La vie est belle, les amis. Quoi? Mais non! Mais non! Tu te fous de ma gueule! Le fils. Ah, le fils de pute, il a un dito! S'il a un scarf, je suis mort! Ah, mais non, il est type Emerald. Il a fait deux Dragon Dance, hein. Je pense pas, il me one-shot. Impossible, il me one-shot. Il me one-shot pas, il est mort. Oh, j'ai eu trop peur de son dito de merde. Oh, sa grand-mère, mais ça va pas de faire ça! Oh, il envoie Among Us. Bah, je pense que le reste, c'est un sweep, hein. Mec, imaginez, le maître de la ligue, c'est Sans! Ça n'a aucun sens. Let's go! Bon allez, plus que Pierre et Sewin! Ceci Baka was ejected. Ils ont pété un pont les développeurs. Hein. Allez, viennent te battre, Marc. Oh le fils de pute! Il va avoir une team de cons. Dragon Dance, Dragon Dance. On va essayer de le one-shot directement. Earthquake. Ok, donc Creeper, ça change Vegacity d'une attaque car Baby est faible à tout. Ah, et du coup, il a plus aucune faiblesse. Ok, je viens de comprendre. Ça, c'est bien! Le fils de pute! Mais à quoi est faible Sans? Mais comment je suis censé faire? Ok. Mais à quoi est faible Sans? Let's go! Il est immunisé au poison, ma bite! Let's go! Heureusement que je l'ai dans mon équipe, hein. Ça veut dire que tu peux littéralement ne pas battre. C'est un truc de fou. Allez, on va envoyer fils de pute. Allez, mon FDP, t'as tué un de mes Pokémon, mais t'es chaud, t'es fort, t'es grand. Sylvali est type fée, je crois que c'est ça, ok? Hein? Il est type émeraude, l'enfoiré. Ah ouais. Oh la singerie. Attends, quoi? Mais la FDP est mort, hein. Il a que multi-attaque et deux type-type. Dragon Pulse. Oh, let's go! Heureusement, il a une défense de merde. Non! Boom est plus rapide, mais il va jamais lui faire assez de dégâts. Allez, s'il te plaît, frère. Ouais, c'est nul. Mais c'est quoi ce type de fou? Mais, quoi? Il m'a rien fait? Il va tellement se soigner après? Putain! Let's go! Mais non, il va faire une guérison, ça change rien. On va essayer Swift. Oh, let's go, il en fait pas! Mais c'est même pas son Pokémon final! Son Metalos, il y a son Metalos après. Mais je vais me faire brouiller. Et what the fuck? Ah! Frère, il a Deoxys! Mais ta gueule! Space Crab. Mais il a screen. Crab Armor, c'est physique. Et je suis faible au crab. Mais comment ça, je suis faible au crab? Crab Armor, c'est quoi cette attaque de con encore? Je crois que c'est perdu, les gars. Super efficace. Peut-être qu'avec un peu de chance, je peux le stoller si jamais il a rien de super efficace, mais j'y crois pas. Heureusement que j'ai une guérison. Ok, let's go, il est empoisonné. Genre là, il me fait un crit, je suis dans la merde, hein. Mais fils de pute! Et c'est même pas son dernier Pokémon, hein, il en reste après, hein. Le truc, c'est que s'il fait Crab Rave, je peux rien faire. Crab Hammer. Il a pas crit. Oh, nique ta mère, bah oui. Genre là, je prends un crit, c'est genre littéralement perdu. Nique ta grand-mère! Allez, tant pis les gars, c'est lose. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne verrai jamais le panthéon de ce jeu. Le Nuzlocke est perdu. Que ce champion de ligue de merde aille niquer sa grand-mère. Au revoir tout le monde. Ciao.